monde, bienvenue sur la chaîne YouTube L'œil du Celt. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tuto, présentation, comment j'ai fabriqué donc ce nouveau terrarium qui est juste là, donc qui est un flexarium, donc pour ma nouvelle espèce que je devrais récupérer très incessamment sous peu, donc rapidement. Voilà, donc vous avez donc ce terrarium qui fait donc 70 sur 50 de profondeur sur 1,20 m de haut. Donc là on est pour une espèce juvénile et adulte, donc il est suffisamment grand, aéré. Donc on part sur un flexarium, donc c'est du sapin avec ce n'est pas une grillade, du grillage, mais de la toile. Donc je vais voir en fonction de la résistance, savoir si je laisse comme ça ou je mets du vrai grillage anodisé, donc anodisé, ce qui permet en même temps de ne pas rouiller. Donc je suis en train de voir ça. Donc vu la taille de la bête et vu son poids, ça va largement suffire. Et puis je pense que par la suite j'aménagerai et mettrai du grillage. Enfin tout dépend comment la bête se positionnera ou ira ou pas sur le grillage. Donc hop, on va monter directement. On va passer au terrarium. Donc voilà. Donc ici pareil, hein, on a une toile, donc c'est une sorte de moustiquaire. Donc vous avez sur les trois faces, et là vous avez la porte, donc avec un peu de nettoyage. Donc il y a beaucoup de récup dans ce terra. Donc ça, c'est une planche que j'avais déjà utilisée. Donc la seule chose que je vais modifier avant l'installation de la plante, parce que je vais mettre une plante en plein milieu, ça va être de mettre une bâche dans le fond, donc sur une hauteur de 10 cm pour pouvoir mettre de la terre et en même temps un peu de substrat. Enfin je vais mettre un fond, quoi. Donc alors, comment je suis parti sur ce terrain? Donc en gros, j'avais la place qui est là, donc j'avais 70, j'avais un peu plus, mais bon, j'avais vraiment voulu adapter. Donc j'avais 70 cm. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 70 cm, hein. Hein, voilà. Et j'avais 1,20 m par rapport au terrarium de Léon, qui est juste là. Je sais pas si vous voyez, donc Léon, il est là. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pris donc le terrarium, donc j'ai fait la hauteur, donc 1,20 m, mais j'avais pas envie d'avoir 1,20 m, donc j'ai pas d'1,20 m de tout en haut. J'ai quasiment, hein, j'ai la moitié, hein, donc là ici la planche fait 10 aussi, donc j'ai à peu près la moitié. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'avais pas envie d'avoir le haut de la cloche, donc l'éclairage, trop visible. Donc quand je suis assis, j'ai vraiment envie que ça fasse propre et caché. Après, c'est une question plutôt de finition. Donc le terrarium, là comme il est là, j'en ai à peu près pour 80 €. Donc je m'étais fixé un budget entre 80 et 100 €. Donc j'en ai pour 80, un peu autour de 80 €. Je suis assez content de moi parce que voilà, les finitions sont quand même assez sympas. Il est propre, il est bien aéré, parce que comme vous le savez, pour un caméléon, pour qu'il se sente bien, il faut qu'il soit bien aéré, donc c'est le cas. Donc je vais faire des tests de lampes chauffantes et UVB. Donc on va monter. Alors le terrarium, comme il se... voilà, si, hop, on va fermer, hop et hop, voilà. Donc j'ai fait un renfort sur les portes. Il manque juste l'attache ici pour pouvoir que la porte se ferme et soit sécurisée. Alors je ne sais pas comment je vais fermer la porte ici, la sécuriser. Soit par un crochet, soit par deux attaches simultanées. Donc en mettant un petit loquet vers le haut, mais voilà. Donc ici, hein, on a, je répète, donc on a 70 sur 1,20 m sur 50 de profondeur. Donc ça va jusqu'au bout du mur. J'ai fait une encoche à l'arrière que vous voyez ici, pour pouvoir faire passer le tube qui est là derrière, donc qui permet de l'accrocher au mur. Donc ça fait une finition quand même plus que sympa au niveau du rendu. Donc on a Dana en bas, Léon à gauche, et le futur lézard, puisque c'est un lézard, donc vous avez un peu deviné ce que c'était, mais au bon, je préfère vous montrer. Donc comment j'ai fait, tout simplement? Alors on a commencé par faire, tout est parti du fond. Tout est parti de la planche USB au fond, donc j'ai pris une planche de 70 par 120, tout simplement, et tout est parti du fond, voilà. Donc en fonction du fond, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis ici des attaches, j'ai fait ce qu'on appelle un squelette de bois, donc j'ai pris du haut en bas. J'ai fait la même chose à droite,
Donc, sauf qu'à droite, ici, celle de là, elle a été découpée à en épaisseur à la moitié, donc qui permet en même temps de faire passer le tube en métal qui est derrière, et j'ai fait un renfort. Donc voilà. Ici, donc j'ai fait un cadrage complet. Voilà. Et la ventilation comporte celle de l'iguane et là ici. Donc en gros, j'ai une très bonne ventilation. Ici, vous avez donc le cadrage qui est fini, pareil, qui va jusqu'en bas. Donc on a 1,20 m de tasseau. Voilà. Ici et là. Et j'ai fait, ici c'est une planche de récup. Donc la planche ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un dessin, un patron. Et je l'ai découpé donc avec les encoches pour que ça rentre pile poil. Renforcé avec des vis à bois, donc assez longues et assez épaisses pour que ça tienne bien. J'ai fait un coffrage en bas. Donc ça va être pour cacher une partie, entre guillemets, de l'épaisseur du substrat. Voilà. Et ici, donc, on a mis une moustiquaire qui est grise. Mon but, c'était vraiment qu'on voit très très bien à travers. Donc là, franchement, des fois, on voit même, on ne se rend pas compte qu'elle est là. Donc tout va être une question de résistance par rapport à la bête qui va être dessus, si elle monte ou pas, ou si elle. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Ici, vous allez avoir. Je vais mettre des équerres en plus, c'est la seule chose que j'ai pas mise. Je vais mettre des équerres ici. Donc pour renforcer la structure de la porte, parce que vous voyez, en fonction du poids, elle peut légèrement s'affaisser, mais c'est vraiment très très minime. Et tout le tour a été agrafé avec des agrafes murales. Voilà, donc quand on ferme, on voit les vis de maintien, mais on voit pas les agrafes. Voilà, donc j'ai fait un coffrage, on va dire, sur le dessus. Et j'ai fait aussi un coffrage en haut. Alors mon coffrage en haut, c'est tout bête. Voilà. Ici, hop, pareil de chaque côté, on va monter sur le terrain de Dana. Et voilà ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a coûté, entre guillemets, le plus cher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté deux grilles. Donc, il y en a pour 12 euros, à peu près 13 euros les deux grilles. On met ça. Voilà. Donc, ces deux grilles, vous voyez, anodisées, pareil. Donc, qui permettent de résister à l'humidité. Et c'est ce qui va me permettre de poser directement. Hop, on va voir là comme ça. C'est ce qui va me permettre de poser directement mes lampes. Alors, lampe UVB et lampe chauffante. La lampe UVB, je vais peut-être la mettre à l'intérieur pour que ça fasse une diffusion un peu. Bien ciblé, et la lampe chauffante, je sais pas si je vais pas par la suite voir au niveau de la chaleur. La lampe chauffante, c'est pas trop grave. Je sais pas si je vais tabler sur du 50 ou du 60 watts en niveau puissance de chaleur parce qu'il faut un point chaud, donc autour de 32-35 degrés en hauteur, et donc je vais vraiment envie d'avoir un bon gradient. Sachant qu'il y a le chauffage qui est pas loin, donc on a une température constante de 22 degrés, 21-22 degrés dans la pièce. Donc c'est très très bien pour la nuit, sachant que comme vous l'avez vu dans des tutos ou autres vidéos, c'est qu'un caméléon peut avoir une température beaucoup plus basse même la nuit en imposant par exemple la journée à une température de 32-35 degrés. Donc c'est vrai que ce sont des animaux qui sont quand même assez résistants. Malgré ce qu'on en dit, avec les forums, moi je lis beaucoup de choses, je regarde beaucoup de vidéos, et c'est vrai que le plus important c'est quand même la température de jour. Et ensuite, bon voilà, j'ai 22 degrés, donc on est largement dans les températures acceptables pour l'espèce. Bon, vous avez compris que c'était un caméléon. Je ne sais même pas pourquoi je parle, parce que c'est. Voilà. Donc ça sera un caméléon. Donc ça sera un furcifère pardalis, mais la phase, parce que je crois qu'on parle aussi de phase, vous le découvrirez en image. Donc ici, moi, on continue là-dessus. Donc j'ai fait le coffre. Donc tout ça. Donc ces deux grilles, c'est vraiment ce qui m'a coûté le plus cher, ces deux grilles. Donc rien que les deux grilles, j'en ai quand même pour 13 euros. Et là, j'ai fait un coffrage amovible. Hop, on va prendre ce côté, ça sera peut-être plus simple. Hop. Voilà. Ici, qui me permettra d'aller, de chercher, de mettre mes mains. Donc c'est modifiable des deux côtés. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a la lampe. Là, on a une ampoule de 60 watts. Toute neuve. Donc j'ai déjà acheté tous les accessoires. Ici, je l'avais acheté dans le petit Nanoterra. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour la montre religieuse. Pour la montre, pardon. Donc je le mets ici. Donc en éclairage, hop, normalement. Ah oui, c'est vrai que c'est pas branché. Donc en éclairage ici, vous avez le néon, ici vous avez la lampe chauffante, ce qui permet d'avoir un bel éclairage au niveau de l'intérieur du terrain. Alors, bon, comme je vous disais, l'aération doit se faire par au moins, il y en a quatre côtés comme la plupart des flexariums qu'on voit. Moi j'ai fait une aération par trois côtés. Donc c'est ici parce que j'avais vraiment envie de faire ce qu'on appelle un ensemble fond finition entre guillemets OSB pour les deux. Donc ça fait vraiment beaucoup plus sympa à voir.
Voilà. Donc, matériaux, vis, grille, moustiquaire, tout ce que vous voyez là, j'en ai eu pour à peine 80 euros, le tout. Donc je sais que dans le commerce, ça coûte beaucoup plus cher, un grand comme ça, il y en a pour 150, 160 euros. En plus, il a la dimension que je souhaitais, donc c'est ça aussi. Donc, alors pourquoi j'ai pas fait de tuto où je montre comment je le monte ou comment je l'assemble? J'ai juste fait un début de vidéo parce que je me suis dit, je fais un terrain pour moi avec mes dimensions. Moi, je vous dis, hein, le plus simple pour moi, c'était de partir sur un fond et de partir du fond, de faire ce qu'on appelle le squelette, le tour, et en fonction de ça. Pour tenir la porte, on a 4 charnières. 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 charnières, ce qui fait de tenir bien la porte. Et là, c'est vraiment le truc, c'est de voir comment je vais mettre, entre guillemets, les attaches pour faire tenir la porte. C'est ça le problème pour moi, c'est comment je vais faire. Donc c'est vrai qu'après, au niveau de l'intérieur, bon, il y a quand même un grand espace, donc on peut mettre quand même une belle espèce, une taille assez, assez grande. Donc comme vous voyez au-dessus, hein, donc tout est sécurisé, il n'y a aucun moyen que le caméléon puisse s'échapper. C'est vraiment, moi, c'était quand même aussi ma façon de voir les choses, c'est que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de sécurisé. Donc vous voyez, vous avez des tasseaux de renfort ici, là. Ici, j'ai pas fait une porte complète de haut en bas parce que j'avais envie de garder la structure solide et de faire en sorte que la porte soit ce qu'on appelle un battant. J'aurais pu faire les deux côtés, mais voilà, comme ça. Peut-être que par la suite, je ferai deux portes parce que j'en aurai peut-être la nécessité. Mais je trouve ça beaucoup mieux comme ça. Pour la bête, elle sera plutôt accessible vers le haut. Donc voilà, je préférais vraiment faire comme ça. Puis ça, vraiment, ça solidifie et ça rigidifie la structure. Moi, je voulais vraiment pas quelque chose de mou, de fragile ou quoi que ce soit. Je l'ai porté plusieurs fois, donc il pèse son poids maintenant parce qu'il y a quand même beaucoup de bois, il y a beaucoup de renforts, il y a beaucoup de finitions, donc de cache pour pouvoir que ça fasse un très bon rendu. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du Flexarium. Voilà, ce que vous auriez fait, ce que vous n'auriez pas fait. Dites-moi vraiment dans les commentaires. Bon, à savoir quand même que j'ai voulu qu'il s'accorde avec le terrarium de Léon qui est juste à côté. Donc vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça sympa, le visu, le rendu, la qualité des matériaux que j'ai pris. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi peut-être des avis sur ce que vous penseriez avoir rajouté pour pouvoir à ce que le Flexarium soit mieux. Voilà. Donc, je laisse comme ça, entre guillemets, la moustiquaire. Si je vois que ça va pas et que ça convient pas, je passerai sur du grillage, donc avec des petits carreaux qu'on appelle, je crois que c'est des carreaux d'un centimètre au niveau des entrelacements. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Donc faut savoir quand même que c'est un terrarium qui est fait pour une bête juvénile et adulte, donc qui va faire sa vie, entre guillemets, à l'intérieur. Et pour moi, voilà, la taille suffit amplement. Je m'étais bien renseigné avant, donc la taille suffit amplement. Donc pour une bête adulte, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de modifications par rapport au plan qui était sorti. Je pensais pas faire comme ça, faire un coffrage dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je trouve que c'est même mieux maintenant parce que la grille qui est au-dessus, au début, je devais mettre des grilles de récup de terrarium Exoterra que j'avais d'avance. Et je me suis rendu compte que la structure n'était pas assez rigide et n'était pas assez solide. Et ça me convenait pas. Donc je préfère comme ça, c'est beaucoup plus solide. Faut savoir que les deux grilles au-dessus sont assez épaisses, font 3 ou 4 mm d'épaisseur, elles sont rigides, donc on peut mettre du poids. Et moi, c'était vraiment le plus important par rapport à mes bêtes, c'est parce que j'aime bien avoir quelque chose de très 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 sécurisé. Donc ce qui veut dire, ce qu'il y a du changement ici, c'est qu'il va y avoir du changement aussi dans ma chambre, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que je vais avoir comme caméléon. Dites-moi, par exemple, l'espèce du caméléon et éventuellement sa phase. Et je vous dirai rapidement ce que c'est. Et ceux qui auront raison, bah, bravo à eux, en avance. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo explicative sur mon terrarium vous aura plu. Donc voilà le nouveau Flexarium pour une nouvelle espèce. Et bientôt, donc, il arrivera normalement, moi, je vous dis pas, mais très rapidement sur la chaîne YouTube, enfin dans mon élevage déjà, et puis après vous la verrez sur ma chaîne YouTube. Allez, je vous dis à bientôt, pensez au like, pensez au partage, et je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes. Ciao, ciao tout le monde, et n'oubliez pas, peace !